Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul. Au programme, on a du Asos, du Bershka, du Zara et du H&M. Et j'ai aussi deux petits articles chez Primark. Je ne vais pas souvent chez Primark parce que c'est assez loin de chez moi. Mais j'y suis passée il y a à peu près 10 jours et voilà, je me suis pris deux trucs. Et plutôt sympa, assez tendance. On commence avec ce body, comme ça, qui est nude. Voilà. Voilà, hyper doux. Comme ça, je sais pas si vous voyez. La couleur, elle est superbe, très nude. Avec un drapé comme ça devant. Hop. Et puis des pressions, ici. Donc, voilà. Hop, hop. Il est très très fin. Très agréable, très élastique. Et franchement, il est superbe. Je l'ai pris en taille 42 et il a coûté 10 euros. Donc, assez sympa. Et pour aller avec, ou je sais pas, puisque le nude se porte plutôt avec du noir, mais sinon, j'ai trouvé celle-ci aussi, qui est à peu près dans les mêmes tons, et c'est une jupe. Voilà, qui tombe droit mais qui est plissé en fait, et c'est la nouvelle matière qui est un petit peu à la mode, un peu plissé comme ça, rose poudré bien sûr. Voilà, et celle-ci je l'ai pris en taille 40. Alors il n'y a pas l'étiquette parce que il n'y avait pas l'étiquette, mais quand je suis passée à la caisse, surprise, elle était à moins 50%. Elle était à, je crois, elle était à 13,99, du coup je l'ai eu à 6 euros, 6,50 €, 7 euros, même pas quoi. Voilà. Super belle. Voilà. Et j'aime bien parce qu'elle tombe droit. Donc j'adore les tutus en ce moment, mais c'est vrai que quand on a un petit peu de hanche, bon, ça peut faire tout de suite. Ça peut élargir un petit peu. Mais celle-ci, elle n'élargit pas. Donc super. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? H&M. Chez H&M, j'ai pris, j'en avais parlé dans mon premier haul, mais je ne l'avais pas montré. C'était un achat que j'avais complètement oublié. Donc voilà, cette robe noire, col montant. Voilà. Hyper jolie. Col montant, puisque comme on disait dans le premier haul aussi, le col montant, c'est tendance en ce moment. Elle a les manches longues, elle est élastique, comme ça, elle se porte assez près du corps en fait. Moi je l'ai prise en taille 40, c'est ma taille, et elle est assez moulante, c'est assez joli, parce que du coup il y a un côté assez austère, mais en fait comme elle est moulante, nickel, elle fait plutôt moderne, et je pense que ouais, ça peut être très sympa avec... avec des petites bottes ou des cuissardes ou des escarpins aussi peut-être, je sais pas, à voir. Mais en tout cas, elle taille bien, elle est vraiment super. Chez H&M toujours, ce petit haut comme ça, qui est un peu transparent. Voilà. Avec encore une fois les manches trompettes. Voilà. Donc comme... dans mon premier haul, le petit haut Zara que j'avais pris en noir, celui-ci, il a aussi les manches trompettes. Donc c'est assez à la mode, j'ai l'impression. Voilà. Et toujours col montant. Bon, bah voilà, hein. En ce moment c'est ça. Et un petit peu transparent, comme ça, vous voyez. Voilà. Celui-ci, il coûte 14,99 €. Je l'ai pris en taille 40. Alors... chez H&M, ce qui est bien, c'est que vous avez ce système de ramener vos vêtements et vous avez des petits bons de moins 15%. Donc moi, je fais tout le temps ça, tout le temps. Et maintenant, c'est sur chaque article, en fait. Donc chaque article que vous achetez, vous avez moins 15% quand vous donnez 3 vêtements usés. Ça peut être des vêtements, ça peut être tout type de tissu, en fait, des éponges, des torchons, des vêtements bébés, tout. Ils prennent tout type de tissu. Donc en fait... c'est sympa, vous ramenez 3 torchons ou des serviettes éponges ou des gants de toilette que vous n'utilisez même pas, et tout de suite ça vous fait moins 15%.
Donc voilà, moi maintenant je me gêne plus, je ramène tout ça et j'ai tout le temps moins 15% sur chacun de mes articles H&M. On va passer à Bershka. Bershka, j'ai trouvé deux petits trucs sympas pas forcément dans la saison, mais bon, on commence avec ce short. Donc, je sais pas pourquoi ils ont ressorti des shorts là récemment, mais en tout cas, ouais, moi je porte pas souvent de shorts, mais celui-ci vraiment super beau avec le petit détail en dentelle là. Donc, vous me direz, c'est plutôt c'est commun maintenant, hein, les petits détails en dentelle, tout le monde en fait. Mais ce qu'il y a de bien avec celui-ci, c'est que en fait, il est plus long à l'arrière au niveau des fesses, il est assez long par rapport au devant. Je sais pas si ça se voit bien en fait. Ouais, ça se voit ici, regardez. Vous voyez, ici, il est bien long. Et devant, il est un petit peu plus court. Et du coup, bah, ça cache bien les fesses et le dessous de la fesse. Donc moi, j'aime bien. Et il taille bien. Il fait des jolies fesses. Et il est un peu cher, c'est vrai. Pour un short, je dirais, il est un petit peu cher. Elle est où l'étiquette? Elle est là. Voilà. Je l'ai pris en 40 puisque je fais du 40 et il coûte 27,99. Donc un petit peu cher pour un short, mais moi j'ai pas de short, pas beaucoup on va dire, je crois que j'en ai deux et des shorts en jean j'en ai pas du tout. Donc là j'ai vraiment trouvé le short en jean qui me va, donc je suis plutôt contente. Sinon, toujours chez Bershka, j'ai trouvé ce petit haut rose. Toujours, hein, rose et pink is the new black, comme je dis souvent. Donc, col montant. Col montant. Avec des petits volants aussi. Les manches longues. Il est assez long. Donc, ça va. Il n'est pas crop, on va dire. Et ici, les manches, petit détail comme ça. Foncé. Super mignon. La matière un petit peu transparente encore une fois. Voilà. Voilà. Et je l'ai pris en taille 40, puisque le 40 chez Bershka, bah, c'est 30 en fait. C'est du L. Donc voilà. Il est super mignon. Super mignon. Et derrière, il est ouvert, comme ça. En goutte. Vous voyez? Dans le dos. Et il a coûté 19,90, donc ça rattrape un petit peu le short qui était un petit peu cher. 19,90 pour la petite blouse. Voilà. Donc c'était plutôt mignon. Ensuite, chez Zara, j'ai trouvé cette petite robe noire avec des petits pompons, comme ça. Alors voilà, elle a des petits pompons tout le long. Alors, c'est une robe à bretelles. On va commencer comme ça, vous voyez, derrière, devant, col carré, comme ça. Les petits pompons, on les retrouve ici, au niveau de la ceinture. Pardon pour la lumière. Voilà. Au niveau de la ceinture. Et sinon, la coupe de la jupe, elle est un peu trapèze. Voilà, comme ça. Donc j'aime bien, elle est juste au-dessus du genou, elle taille bien. Celle-ci c'est un L je pense, ouais, taille 40 L chez Zara aussi. Alors celle-ci elle est à 59,99, elle est de super qualité, vraiment, super qualité et elle a un super rendu et franchement avec cette petite blouse là, au top. Look noir et blanc, plutôt sympa. Chez Zara, toujours, j'ai pris des chaussures. Voilà, rose, poudrée. Voilà, comme ça. Avec des tout petits talons. Tout petits, petits, petits. Comme ça, on peut les mettre pour aller au travail. On est à l'aise. Et elles sont super, super confortables. Et c'est du 38.
Donc ma taille, elle taille bien. Donc moi je fais un 38, 38 et demi. Parfois je prends du 39, ça dépend, mais celle-ci, elle taille super bien en 38. Donc voilà. Elles sont pas très chères, elles coûtent 29,99 €. 95, pardon, nuance. Et voilà, elle fait partie des petits prix de chez Zara Basique. Ouais, c'est Zara Basique. Voilà. Donc, elles sont en daim, et non pas en velours, n'est-ce pas? Donc, elles sont en daim rose. Toujours, je suis à fond dans le rose, bien sûr, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine. Mais c'est vrai qu'en ce moment, le rose, les cols montants, les volants, la transparence, voilà, c'est ce qui se fait. Donc, on suit un petit peu ce qui se fait et en même temps, on aime ça, je veux dire. Parce que moi, personnellement, je ne suis pas des tendances que je n'aime pas non plus. Voilà, après, le gros paquet qui est ici, gros paquet Azo, c'est deux paires de chaussures que j'ai commandées sur le site. Et les deux paires de chaussures, ce sont des Miss Guided. Donc, premier paquet, Misguided. Et deuxième paquet. Alors, je connaissais pas trop Misguided. Je connaissais pas trop cette marque en fait. Je trouvais que ça faisait assez Kim Kardashian, hein, que j'ai absolument rien contre elle. Mais c'est vrai que bon, moi, ça me correspond pas forcément. Donc voilà. Après, j'ai craqué sur une paire de chaussures, puis sur une deuxième. Ce sont des chaussures qui ont des plateaux, donc elles font pas très mal aux pieds. Mais attention, parce qu'elles sont quand même super hautes. Donc même avec un plateau, c'est pas évident. Alors, la première paire de chaussures qui m'a fait craquer sur le site de ASOS, c'est celle-ci. Voilà. Et alors, en fait, c'est une paire de chaussures escarpins, sandales. Sandales, ce sont des sandales en fait. Comme ça, et en fait, quand vous la mettez autour du pied, comme ça, et bien vous faites un gros nœud ici, et du coup, c'est super beau quoi. Je sais pas si on arrive à se rendre compte, hein. Donc c'est un très très grand ruban, on va dire, mais c'est un ruban en daim, et donc vous faites un gros nœud comme ça sur le côté, et vraiment, elles sont super belles. Elles coûtent 41,99 € quelque chose comme ça, de mémoire. Donc voilà, ça fait à peu près ça. Regardez, la classe. J'adore. Elles sont nude. Nude limite rose poudré, encore une fois. Voilà, regardez ça. J'adore. Elles sont magnifiques. Elles sont assez hautes, hein. Je dirais qu'il y a là un bon 12. Par contre, il y a ce petit plateau ici. Donc, c'est bien. Et puis là, vous avez un petit coussinet. Vous voyez, hop, vous voyez le coussinet? On ne le voit pas très bien ici. Voilà. Et donc, Misguided taille très bien. Donc ça, c'est super. Parce que j'ai bien pris du 38. Oups, ça se voit ici plutôt. Voilà. Donc, vraiment... à recommander, elles sont super belles, elles font leur effet vraiment. Je les ai pas encore mises, mais je pense les mettre bientôt. Voilà, et puis ça passe avec tout. La deuxième paire, c'est encore une paire de sandales. Voilà, hop, comme ça. Ouh, très chic. Et donc, celle-ci, voilà, comme ça, avec un petit pompon ici qui s'ouvre comme ça à l'arrière. Comme ça, il y a le petit pompon pareil, un très grand talon, à peu près 12 cm, mais il y a toujours ce petit plateau qui nous aide, donc assez confortable au final, mais ça reste très haut, franchement. Quand on n'a pas trop l'habitude, moi je suis pas voilà, je préfère mettre des 10 et être à l'aise, et je privilégie toujours le plateau parce que voilà, mais bon, ça va, ça va. Mais sinon, elle taille super bien. C'est du 38, encore une fois. Voilà. Les deux paires. Comme ça. Les petites sandales. Vraiment super belles. Voilà, comme ça, vous voyez en transparence. Comme ça.
taille 38. Celles-ci, elles sont en promo en ce moment. Elles sont à 33 € en promotion en ce moment. Donc voilà, 33 € une petite paire de sandales, ça va. Ça reste bien et ça va avec vraiment tout. Ça, vraiment, il n'y a aucun problème. Même avec des collants, aujourd'hui je suis en collant parce qu'il ne fait pas très très beau. Même avec des collants, ça passe. Moi, les sandales avec des collants, je ne suis pas du tout contre. Sinon, côté bijoux, je me suis commandé ça aussi chez Azos, cette petite bague. Voilà, très délicate. Voilà. Elle a coûté pas grand-chose, même pas 3-4 €. Bon, bien sûr, hein, c'est pas du vrai, hein, bien sûr, on est d'accord. Mais je trouve qu'elle est, elle est fine, elle fait son petit effet. Il y a une petite pierre comme ça, hop. Une petite pierre couleur dorée, rose dorée. Très mignonne, moi j'aime beaucoup. Et puis cette paire de petites boucles d'oreilles, là, ici. Donc c'est des House of Harlow. Sur le site Azos, toujours. Voilà. Super belle. Voilà. Donc, elles sont pratiques. Elles se mettent comme ça. Allez, oups. Et voilà. J'aime beaucoup. Et puis, voilà. C'est tout pour ce petit haul. C'est déjà pas mal, je vous dirais. J'espère que ça vous a plu. Et puis, bah voilà. Je reste ouverte à tous vos commentaires. N'hésitez pas. Et je vous dis peut-être à bientôt pour un nouveau haul. À bientôt. Bye bye.